Et salut tout le monde, c'est Mister Joe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu mobile, One Piece Treasure Cruise. Donc, ce premier épisode, enfin, l'épisode numéro 00 sera l'introduction de cette nouvelle série. J'espère que vous l'adorerez et que vous participerez avec moi. Alors, jeu sympathique mobile, type RPG. Donc, les avis. Water Seven est débloqué. Ok. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Ce sera la présentation. La présentation du jeu. Alors, par où commencer? Vous avez diverses îles. Voilà. On va avancer dans le jeu. Diverses îles, la première île est le repère d'Alvida. Donc le jeu suit l'histoire de One Piece. Pour ceux qui ne le... Voilà, même le village de Fushi avant quoi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, One Piece c'est un manga. Voilà, pour ma part je trouve ça plutôt sympathique. Et donc voilà, je cherchais un petit jeu comme ça pour pouvoir jouer avec le thème de One Piece, et j'ai trouvé ça. Donc voilà, je me suis mis un petit peu, je suis niveau 22, vous voyez mon niveau en haut, pirate level, voilà. Donc, pour ce qui est des sous, vous pouvez voir, c'est en haut à gauche avec la petite piécette, là j'ai 76 000 et des briquettes, berry. Vous avez la barre d'expérience en bleu. Vous avez la stamina, donc en gros l'énergie, 30 sur 30, et cette espèce de petit fruit qui équivaut aux gemmes de Bref Frontière, quoi, pour pouvoir faire des invocations. Alors, par où commencer exactement, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, nous allons voir, donc là c'est l'aventure, les quêtes principales du jeu. Ensuite, si je vais dans l'onglet équipe, vous avez... les personnages. Donc par exemple là vous avez l'équipe se compose de 5 personnages qui ont différents types, et vous pouvez avoir un bateau avec. Bah, tenez, j'ai bloqué ce bateau. Allez, on va choisir ce bateau. Voilà, vous avez, quand je clique dessus par exemple là avec la princesse Vivi, vous avez un spécial, donc en gros c'est un bref burst, hein, si vous préférez. Je peux le lancer tous les 12 tours et il est niveau 1. Et qu'est-ce qu'il fait? Il change un cercle de manière aléatoire. On verra ce que sont les cercles juste après. Et l'habilité du capitaine, donc le leader skill, il multiplie par 5 les RCV en HP à la fin du tour. Donc les RCV c'est la récupération de la récupération de HP, on va dire. Et mon personnage me coûte 20. Donc vous pouvez voir le coût en bas de Kobe là, juste en bas. Le total du coût 36 sur 40. Alors plus vous montez de level, hein, c'est comme sur Bref Frontière, plus vous pouvez mettre des unités à haut coût. Vous avez HP et RCV. Donc pour comprendre un peu ce que ça donne, on va aller faire une petite quête. Après vous avez le classique, hein, évoluer, vendre votre effectif, mais c'est mieux de voir ça en jeu. Donc on va faire le premier village. Alors voici, sur le village de Fushia vous avez 3 chapitres, parce que c'est marqué en haut 3 chapitres, et par exemple le premier me coûte stamina 3, donc 3 d'énergie, et il y a 3 combats. On va faire le dernier. Allez, on va faire le dernier. Alors là, ce sont les amis qu'on peut rajouter. Vous pouvez avoir des amis en leader skill. Allez, on va mettre Nami. Sélectionner. Ok. Alors, voilà comme ça se présente. Oh, Nami est stylé. Nami est stylé. Donc vous avez une barre de HP en vert. 3500, c'est les HP total cumulés avec les personnages. Chaque personnage n'a pas un HP
prédéfini où il peut mourir, c'est l'HP est mis en commun, si je puis dire. Donc pour attaquer, c'est simple, vous appuyez sur les personnages pour attaquer tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer avec tous les personnages à chaque tour. Et si vous regardez bien, il y a une sorte d'écriture bang 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 qui rétrécit au fil du temps quand on frappe. Ça nous sert de base pour les combos. Alors, en fait, il faut avoir un timing pour pouvoir cliquer. Par exemple, si je clique avec lui et que le bang est quasiment appuyé à fond, et quasiment au centre du personnage ennemi, et que je clique à ce moment-là avec mon personnage suivant, j'espère que vous suivez, ça me fait imparfait. Et grâce à ça, je peux faire des combos. Alors là, j'arrive à faire mes parfaits, et c'est le maximum pour les combos. Les combos s'affichent en bas de la scène de... J'allais dire la scène de crime, mais non. La scène de combat. Par exemple là, si j'appuie avant, ça me fait pas de combo. Si j'appuie, ça me fait un super. Ah, super. Il y a bien aussi. C'est encore avant. On est déjà à la salle du boss, tiens. Ok, ah bah oui. Ça, c'était le truc qui a mangé le bras de Shanks quand Luffy se noyait. Alors, par exemple, maintenant, je vais vous dire un petit peu ce qui est des cercles. Les cercles, c'est ce qu'on voit à côté des personnages. Vous voyez un rond avec des S en violet, en rouge, machin. Ça équivaut au type du personnage. Par exemple, vous voyez, mon Luffy, il est de type Strong, type Force. Vous voyez le cercle qui change chaque tour, et lorsqu'il correspond au type de notre personnage, les dégâts sont doublés. Ça, c'est un truc à savoir. Par exemple, vous avez sur Vivi, vous avez du steak. Voilà, vous voyez dropper. Alors, pour pouvoir le steak, en fait, ça va régénérer votre vie, hein, comme toute bonne nourriture. Et donc, ça vous permet de... Ouais. Là, vous avez les loot. Ah, c'est un truc que j'avais pas. Ah, 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 j'ai loot le boss. Ok, pourquoi pas. Alors, Père direct. Dégueule l'attribut de personnage équivalent x10 l'attaque du personnage sur un ennemi. Bon, il a pas se défendre. Ah, quoique, l'attaque est pas si mal. Hein. Ah, j'ai pas assez de place. Ok, très bien. Voilà, on va augmenter l'effectif. Oui. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, pour les... On va faire un autre, comme ça j'explique en même temps. On va faire le repère de la Vida, vu que j'ai avancé un peu dans le jeu, on va faire les boss. Pendant que j'explique. Hop. On va sélectionner Miss Wednesday, alias Vivi. Alors oui, quand il y a les genres de... Airmap qui se sent chaud. Quand vous avez les jambonneaux, il faut pas faire un perfect, il faut faire un bien pour pouvoir réussir à avoir la régénération. Donc un bien, voilà. Hop, c'est ici. Alors là, c'est un super. Faut cliquer assez tôt. De toute façon, il vous l'explique dans la phase tuto du jeu. Alors... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre d'important? Oui, si vous regardez en dessous du menu, vous avez un genre de comment dire, de cercle des éléments. Donc vous avez le S, la Strong, la Dextérité, et Quick, c'est la vitesse. En gros, ça équivaut au feu, terre, eau. Et à côté, vous avez l'élément P, on va dire ça lumière. Et vous avez l'élément I qui équivaut aux ténèbres. Pour faire plus simple pour les éléments. Donc la lumière est plus forte que les ténèbres, et les ténèbres sont plus fortes que machin. La force est plus forte que la destructivité, et etc. etc. Je pense que vous avez compris le principe de la chose. Ouais.
Donc en avançant dans l'histoire, vous pouvez avoir des bateaux. Comme vous avez pu le voir avant, j'ai changé mon bateau avant de partir en quête. Ça me permet d'avoir certains boosts pour mon équipe, pour mon capitaine. Voilà. Et plus vous avancez dans l'histoire, plus vous allez débloquer les bateaux. De nouveaux bateaux. Et vous pouvez les améliorer grâce à des bouteilles de cola. On ira voir si j'en ai. Je pense en avoir au moins pour faire une amélioration. Il me semble que j'en ai gardé de côté. Voilà. Alors là, il y a 6 combats. Il faut savoir aussi que lorsque vous voulez loot un truc, en fait, vous pouvez loot qu'une seule chose. Vous pouvez avoir qu'un seul loot par vague. Donc si par exemple, je veux avoir le petit hippocampe en premier, enfin, espérer de l'avoir en premier, vous l'attaquez en premier. Pour avoir... voilà, si je loot, voilà. Je sais que je les loot et les autres, même, ils sont pas dopables. Trop bables. Voilà. Et la salle du boss. Alors, vous pouvez... Ouais, on peut loot Alvida. Je l'ai pas loot encore, j'aimerais bien le loot. Son évolution est pas trop mal. Ish. Alors, on va faire Hermep. Voilà, j'ai régène avec les jambonneaux. Vous l'avez sûrement vu. Et à la fin, là, vous avez un genre de combo. Et j'ai pas loot Alvida. Dommage. Moi j'aurais bien aimé l'avoir. Le fils du capitaine Morgan. Alors ça c'est une unité que j'ai réussi à drop. On va peut-être monter de niveau, hein. Qui sait. Okay. Oh là là, renforcé, bon on va voir un petit peu. J'ai toutes ces unités, ce qui est plutôt pas mal. On a le boost de renforcement, donc un boost de fusion. Et voilà, mon chanté naval. Et il me faut des colas. J'ai 3 colas. 3 colas requis. Et j'en ai 4. Vous pouvez voir la petite, le petit compteur en haut à droite. Donc on va essayer d'améliorer notre bateau. Donc coûte à 3. 3 colas. Yes. Ah. Ah. Yes. Réussi à améliorer. HP du capitaine de passer à 150. Yeah, bon bah voilà. Et comme ça vous pouvez améliorer tous les bateaux. Tous les bateaux. Alors l'effectif, vous pouvez. D'ailleurs on va renforcer. Alors, je viens d'avoir celui-là. Ils ont donné ça en cadeau juste là. Nous sommes le 3 février, donc ils ont donné ça le 3, le Chopperman. C'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Déjà c'est un 4 étoiles. Il soigne. Ah oh, ouais. Ah ils l'ont maxé, le level max du spécial. Très bien. Kinu Spark. Soigne l'équipage de 1224 HP et est trop mignon. Très bien. Et le leader skill réduit les dégâts subis de 10%. Écoutez, pourquoi pas. Chopperman, la justice, c'est lui. Il vole dans le ciel grâce à la cape Chopper. Il lui a offert Sniper King, donc Usopp. Son attaque spéciale Kikinu Spark vient à bout de n'importe quel ennemi d'un seul coup. Oh yeah. Ah genre, est trop mignon, c'est vraiment une attaque. Ça serait énorme, ça serait énorme. Alors, j'ai dit qu'on devait améliorer un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Parce que là, j'ai maxé Luffy et Zoro déjà. Ah bah tenez, ouais j'ai eu Usopp aussi. Le tireur. Alors, on va juste faire manger à Vivi 2-3 trucs. Bien évidemment, si vous mettez de la lumière sur. Avec de la lumière, hein, vous avez un bonus de fusion. Ça, c'est bien évident. Allez, on va fusionner ça. 11 000 berries quand même, mais bon. J'ai un peu de sous. De côté. Yeah. Niveau 23. Et niveau max de Vivi. Et c'est le level 99 quand même. Hein. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je suis seulement niveau 24. Voilà. Alors maintenant on va aller voir la taverne. Puisque ici j'ai un petit peu tout montré.
Taverne, en gros, ça équivaut au portail d'invocation. Bon, vous pouvez restaurer votre stamina, augmenter l'effectif, tout ça pour une gemme. Les gemmes à arc-en-ciel, c'est le shop avec des vrais sous, hein, ce que je ne ferai pas à moins que... Voilà. Recrutement PA. Ton effectif est complet. Oh là là. Bon, allez, on augmente encore là, ça m'a saoulé. Voilà. Les PA, c'est avec les points d'amitié. Points d'amitié, exactement. Vous pouvez avoir des recrutements rares, on va en faire un. Toc. Ah, mauvaise unité, le papier est pas terrible. Oh! L'amiral Pudding. Genre. En fait, c'est pas si mal. Change le cercle du personnage adjacent en RCV. Un spécial, tous les 18 tours, ok. Ah, pourquoi pas, je vais le garder. Ok. Et après, vous avez recrutement avec 5 gemmes. Le plus cher pour les recrutements rares. C'est comme ça que j'ai eu Vivi. Et j'ai eu aussi... Alors, j'ai eu Bonclay. Mister 2, si vous préférez. C'est la première vocation qu'ils vous font faire. Et j'ai eu... Donc j'ai eu lui. Tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Non, il reste un truc. Donc vous allez dans l'aventure. Ah, vous revenez en arrière. Et vous avez l'île bonus, ça équivaut au vortex sur Bref Frontière. Donc vous avez l'île bonus. Voilà. Vous avez donc des donjons qui changent régulièrement. Alors, il y a ça qui s'est affiché. Un festin de tortue rouge. Que j'ai pas encore fait. Pas encore vu. Quête spéciale unique. Un stamina. Alors, vous avez le donjon de Luffy Afro que vous pouvez avoir. Donc ça c'est un donjon exclusif que vous pouvez pas avoir cette unité en quête. Je tenterai de le faire sûrement. Ensuite vous avez les unités basiques que vous pouvez loot en quête. Vous pouvez loot, enfin vous avez un donjon d'unités exclusives qui ne sont pas lootables en quête. Et après vous avez un donjon d'unités droppable en quête qui change régulièrement tous les 7 jours à peu près. Et ensuite vous avez des donjons supplémentaires. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai pas encore fait le tour de la chose. Et voilà. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Je pense que j'ai fait vraiment tout le tour là. De ceci. Ah oui. Si vous voulez m'ajouter en ami, donc vous voulez m'ajouter en ami, une très bonne question d'ailleurs, comment faire? J'en ai ajouté quelques-uns, mais c'est parce qu'il me les proposait. Trouver ami peut-être. Ton identifiant... Ah bah voilà. Voilà, vous allez dans ami, trouver ami, et vous marquez votre idée, voilà, si vous voulez m'ajouter. Enfin, si je voulais que je vous ajoute. Et voilà, on pourra faire des petites parties ensemble. Ça pourrait m'être utile vu que je suis encore au début du jeu. Hein, je suppose que il y aura peut-être certains d'entre vous qui connaissent déjà le jeu et qui sont déjà bien avancés. Moi je suis encore seulement au tout début. Seulement au tout début. Bon, et bien sur ce les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était une petite introduction, voilà, j'ai tout expliqué. Comme ça la prochaine fois on attaque directement. Des donjons, l'histoire ou l'île bonus, je ne sais pas encore. Peut-être l'île bonus vu que Luffy Afro, ça me tenterait d'avoir. On fera peut-être quelques évolutions aussi. Vu que j'ai de quoi maxer, évoluer Luffy et Zoro, voilà, la prochaine fois. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure sur One Piece Treasure Cruise. Allez, bye tout le monde!